Quaker. President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. The call is back in session. Reprise de l'audience. And again, the floor is given to the litigant lawyer for civil parties to continue putting questions to this witness. You may proceed. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Rebonjour, Madame le témoin. Good afternoon again. Nous étions quittés tout à l'heure sur la question des travailleurs malades et des hôpitaux. Et vous nous disiez que les travailleurs qui étaient malades sur le chantier n'étaient pas renvoyés dans leur village, comme nous l'avons précédemment entendu en audience, mais envoyés à l'hôpital. Je voulais vous faire réagir à un témoignage que nous avons entendu en audience un petit peu plus tôt. Et c'est une dame, earlier. Une partie civile qui vient de Bahreï et qui décrit un hôpital. Et je voulais savoir si cette description correspond avec ce que vous avez vu des hôpitaux de votre district. Il s'agit donc du transcript du 27 mai 2015. Il s'agit de la partie civile, Madame Oun Setani. Et je me situe à 9h59-44. Et donc, Madame Oun Setani décrit un hôpital où son frère a été hospitalisé et où il est mort 3 jours plus tard. Et elle décrit ceci. L'hôpital était une ancienne école. Cet hôpital était en mauvais état. Il n'avait pas été construit en dur. Les personnes malades étaient envoyés de Bahreï à cet hôpital. Les malades y étaient envoyés. Aussi bien les patients que les gardes malades étaient très maigres. Ils étaient en mauvaise santé. Et elle dira un petit peu plus loin à 10h01-18. À cette époque, il s'agissait d'une école bâtie en planches en bois. Le toit était en feuilles ainsi que les murs. Et comme je vous le disais, ce n'était pas en bon état. Il y avait quelques lits seulement pour plusieurs patients. Ceux qui n'avaient pas de lit devaient alors dormir par terre. Est-ce que ce que je viens de décrire, Madame le témoin, correspond aux hôpitaux qui étaient dans votre district à l'époque ? For the Bahreï area, I had no knowledge. However, for my area, people who were sick from the first dam rock site would be sent to a hospital in Kompong Cham. And the hospital was a two-story or three-story concrete construction building, and people were provided with treatment, and due to the war, the medicine for the treatment was merely sufficient. Pour traiter les patients était à peine suffisant. Je vous remercie. Devant les co-juges d'instruction, vous avez été un petit peu plus précise sur les hôpitaux au sein de votre district. Et je me réfère ici au document E3/5294, ERN en Khmer 003-488-34, ERN en anglais 003-601-17, ERN en français 003-678-10. Vous expliquez notamment qu'il y avait un hôpital dans le district et des hôpitaux dans chaque commune. Est-ce que les hôpitaux des communes étaient différents des hôpitaux de l'hôpital du district dont vous parlez? L'hôpital du district had some medicine for the treatment of patients, although it was not abundant, but it was sufficient. As for other hospitals at the communes or at the cooperatives, we had to assess the condition of the patients.
l'état du patient. If they were, they could be treated at that level, they would be treated there. If the condition was serious, they would be sent to the district. And if it continued to be serious, then the district will refer them to the hospital in Kampong Cham. Si grave ou de s'aggraver, on l'envoyait à l'hôpital de district à Kampong Cham. Merci. Vous avez indiqué un petit peu plus tôt à ma consoeur un hôpital qui s'était installé dans une pagode. Je viens de vous citer un exemple d'un hôpital qui s'est installé dans une école. Est-ce que d'autres hôpitaux de communes au sein de votre district s'organisaient de la même façon, c'est-à-dire s'installer dans des bâtiments qui n'avaient pas été au départ conçus pour être des hôpitaux ? To be used as hospitals. For the hospital in my district, it was not built in the pagoda. N'était pas construit dans la pagode. It was actually located in a commune. Il se trouvait under dans the une district commune. And not in the pagoda. Sous le district. Mais pas dans la pagode. And as I said, hospitals existed at the district and at the commune or sangkat level. Mais aussi au niveau du sangkat. And de la we commune. Had to resolve the condition nous of the of the patients at our level. Résoudre and if the condition of the patients became serious, they would be referred from the communal hospital to the district hospital. And if it continued to be serious, it would be referred to the provincial hospital from the district hospital. Le patient depuis l'hôpital de district à l'hôpital de la province. Je vous remercie. Quelle est votre réaction à ce que je vous ai lu un petit peu plus tôt, à la description de l'hôpital qui a été faite par cette partie civile et qui disait que aussi bien les patients que les gardes malades étaient très maigres et en mauvaise santé? Est-ce que c'est également ce que vous aviez pu constater à l'époque dans les hôpitaux du district ou des communes dont vous parlez? In district or communal hospitals, the ones you've just referred to. At my district, I didn't experience such a seriousness as we were in Chumkale area and we had sufficient food. And here I can only testify about the conditions in my district or my cooperative. Je vous remercie. Lors de votre audition par les co-juges d'instruction, vous avez évoqué cette visite de Yang Thirit, dont nous avons déjà parlé un petit peu plus tôt dans la matinée, et vous expliquez, au même, donc c'est le même document, le E3/5294, au même ERN que tout à l'heure, vous indiquez que vous avez effectué une visite d'hôpital avec Yang Thirit, et on vous pose à un moment la question suivante. Madame Yang Thirit était-elle au courant du manque de médicaments dans les hôpitaux? Et vous répondez, elle était au courant. À son retour, elle nous a envoyé des médicaments et d'autres matériaux. Pouvez-vous expliquer à la Cour de quelle sorte vous manquiez de médicaments? Quel type de médicaments manquait dans les hôpitaux? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision sur ce point? Can you please be more specific on this point? Regarding the medicines, I do not know all of them. En ce qui concerne les médicaments, je ne les connais pas tous. Mainly, we stocked medicine for the treatment of fever and malaria. Des médicaments but pour le traitement I de la am not familiar with the specifications of mais the medicines we stocked in the hospital. Des types de médicaments qui étaient stockés à l'hôpital. Je vous remercie. Dans vos souvenirs, y avait-il beaucoup de personnes qui décédaient à l'hôpital de district et dans les hôpitaux des communes? Est-ce que c'était fréquent? Communal hospitals. Was that a frequent phenomenon?
In certain cases, we could not save the life of the Dans patients. Certains cas, il n'était pas possible de sauver la vie des gens, des patients. And in other situations Dans where situations, we could save their lives, we would do our best at our hospital, and if we could not, then we would send them to the provincial hospital. Alors, les envoyons à l'hôpital de province. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là sur cette Thank question you. Et je vais passer à un autre sujet question, et vous poser des questions sur les mariages like qui étaient célébrés pendant le régime du Kampuchea démocratique dans votre district et alors que vous occupiez des fonctions au sein du comité de district. Aviez-vous reçu des règles de l'échelon supérieur sur la question de l'organisation des mariages à cette période? The organization of marriages during that period. At that time, marriages were organized. À cette époque-là, les mariages étaient organisés. And the chief of the commune of Songkat would ask the opinion of the men and women, whether they consented to the proposed marriage, and if they agreed, then the ceremony would be organized. It was not a big ceremony, but it was a modest one. C'était une cérémonie modeste. And then the chief of the commune of Songkat would give a speech, and then the individuals themselves, who were the couples, would also make a speech regarding their commitment to one another. Au sujet de l'engagement qu'ils prenaient vis-à-vis l'un de l'autre, c'est-à-dire le couple qui était marié prenait cet engagement. Le district était-il impliqué dans cette Was procédure? The district involved in that procedure? Yeah. In certain cases, people from the district made the arrangement. And however, if the ceremony was to be organized and held by the commune, then only the commune level would make such an arrangement. And in other cases, the district chief would attend such a ceremony. C'était le chef du district qui participait à cette réunion. Je vous remercie. Je voulais vous faire réagir à des témoignages que nous avons entendus un petit peu plus tôt dans ce procès de personnes qui tenaient des responsabilités similaires dans un autre district qui est le district de Tramkak. Et ces personnes, tantôt secrétaires, tantôt membres du comité du district, ont fait un certain nombre de déclarations à la barre concernant l'organisation des mariages. Je voulais vous les citer et vous faire réagir pour savoir si dans votre district cela se passait de la même façon ou non. Thank you, Mr. President. I object to this line of questioning. Civil party lead co-lawyer is going to present testimony from a completely different zone. This witness can only testify as to what happened in her district, possibly what happened in the zone, but she cannot give any relevant testimony as to what happened on district or commune level in Tramkok in the southwest zone. Monsieur le Président, l'idée, bien évidemment, c'est de ne pas faire réagir le témoin sur ce qui s'est passé ailleurs, mais bien sur ce qui s'est passé dans son propre district. Vous êtes saisi de la politique des mariages et des mariages forcés au niveau national. Il paraît essentiel que nous nous interrogions à un moment de savoir si cette pratique est homogène ou hétérogène de district à district. Et donc, le but de cette ligne de questions est de faire réagir ce témoin pour savoir si dans son district, dans lequel elle avait des responsabilités, les choses se passaient de façon similaire ou de façon différente du district de Tramkak où nous avons déjà parlé lors de ce procès. Donc cette ligne de questionnement me paraît absolument pertinente et essentielle pour les faits qui nous occupent aujourd'hui.
as we consider facts relating to these matters today. President, the Chamber noticed that the objection by the Defense Counsel for Nguyen Chi to the question by the litigation lawyer for assured parties is rather too soon, as the Chamber has not heard the question yet. Let us hear the question first, and the Chamber will decide whether it is appropriate or it should be prohibited. Therefore, the litigation lawyer for civil parties, you may proceed with your question. Il s'agit d'une question, mais donc je vais citer un passage de l'audition d'un témoin que nous avons entendu il y a quelques mois maintenant dans cette salle d'audience et qui avait des responsabilités au sein du district de Tramkhak. Et je cite le transcript E1/291.1, c'est le PV du 23 avril 2015. Je suis environ à 9h08 du matin. Et M. Pechim, qui est le témoin dont je parle actuellement, nous parle de la régulation des mariages au sein de son district et il dit ceci. En fait, nous discutions au niveau du district des règles en matière de mariage et les directives de la zone étaient prises en compte. D'après ce que j'ai pu observer, il existait des lacunes dans la pratique. Les gens ne consentaient pas tous à se marier. Je savais cela. Nous étions tellement occupés au niveau du district que nous devions déléguer une certaine autorité au chef des unités. Ma question, Monsieur le Président, Madame le témoin, je viens de vous lire l'extrait d'une audition d'une personne qui avait des fonctions similaires au sein d'un autre district. Est-ce que dans le district de Prekhorsod, les choses se passaient de la même façon concernant les mariages? I was not at the Prekhorsod district. I only stayed there initially. Then I moved to Chamkalu district after I got married. And I lived at the Chamkalu district for a year. Although marriages were celebrated at the commune at the district level, the commune itself has the authority to organize the marriage within its commune. And that is my understanding, and that is that's what happened in my district and communes. And I cannot say about what happened in other communes or districts. Je vous remercie. Lorsque vous siégez au comité du district, vous arrivait-il de recevoir des listes des communes, des personnes qui devaient se marier? Receive lists from communes, lists of persons who had to be married. List of those who were proposed to get married. La liste des personnes
dont on proposait qu'elle se marie. And as I said, I am illiterate, I cannot read or write. And it was up to the district chief who decided whether to agree to the proposal of those on the list. And I was told about that during the meeting. The number of people who were proposed on that list, for instance, 5 couples, 3 couples, I was told about it since I could not read, although I did not see the list itself. Donc, si je comprends bien, on vous a parlé d'une liste, mais vous ne l'avez pas lue, et a fortiori, vous n'avez pas pu la lire puisque vous ne saviez pas lire à l'époque. Était-il autorisé à l'époque d'organiser des mariages entre les personnes du peuple nouveau et les personnes du peuple de base? I can say in some cases, and also it happened in my district, if a commune made such a proposal to the district, and if the district considered that they were good people, then the district would approve the marriage, although this kind of requests or proposals were not many. Il n'y en avait pas beaucoup. Étiez-vous au courant de consignes de l'échelon supérieur de ne pas favoriser ou autoriser les mariages entre peuples nouveaux et peuples de base? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir? No, that's not the case. Regarding the best people and the new people in the cooperative, if they work together and they had a relationship, and it was up to the chief, their chief, to see whether it was reasonable to organize their marriage. And of course, the upper echelon did not know about what actually happened on the ground. It was up to the chief of those workers on the ground who made his or her observation and decided to approve or not accordingly. Je vous remercie. J'ai une dernière question, Monsieur Thank le Président. You. Je vais à nouveau vous citer un extrait de l'audition de Pechim, qui tenait donc des fonctions similaires au sein d'un autre comité de district. Et on lui pose la question de savoir s'il existait des règles qui venaient de l'échelon supérieur. Et je suis toujours donc sur le transcript E1-291.1. Nous sommes toujours le 23 avril 2015. Et je suis toujours dans la matinée, un petit peu avant 9h08. Et donc la question qui est posée à Pechim à l'époque était la suivante. Connaissiez-vous les règlements en matière de mariage? Et le témoin répond, s'agissant des mariages, oui, en effet, je savais qu'il existait des règlements et je les connaissais. Toutefois, ces règles n'existaient pas sous forme de lois et d'articles. Il s'agissait d'une pratique commune appliquée depuis l'échelon supérieur jusqu'à la base. Est-ce que vous aviez, à l'époque, Madame le témoin, connaissance de ce règlement, de ces règles, de ces pratiques en matière de mariage et qui venaient de l'échelon supérieur? Regarding instructions on marriages, en ce qui concerne les instructions, and I refer to the zone as the upper level in this instance, if we wanted to organize the weddings for our people si nous or on the number of couples that we propose to get married,
Yes, this process happened. So the district would refer the matter to the sector. And the chain of command was from the commune to the district, and the district through the sector. And then the instruction or the decision would be handed down again in the reverse order, that is from the sector to the district and down to the commune. This is according to my recollection. Voilà ce dont je me souviens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que mon temps Thank est écoulé. Je m'arrête là. Je vous remercie, Madame le Témoin, d'avoir répondu à mes questions. Thank you, witness, for answering my questions. President, my fellow judges, do you have any questions you wish to put to the witness? And Judge Franz, you have the floor. Judge Franz, vous avez la parole. Thank you. Judge Franz. Madam Witness, you mentioned that workers at the dam were rotated every 3 months. Can you tell me why? Allow me to tell you that the rotation was organized because the people at the dam work site began to get tired, so they were rotated. Although they were rotated to return to the cooperative, they would not be sitting idle, they would be engaged in other works, including vegetable plantation or digging another dam or canal. Within the district. Ou un autre barrage dans le district, ou alors so the rotation was between question. Difficult work or heavy Donc, work and easier work. Entre travaux lourds et travaux plus légers, faciles. That's exact? Yes. Réponse. The rotation oui. was made for those workers who were tired from working at the first dam work site and replaced by new forces. Then the old forces will be returned through the cooperative to engage in a kind of a lighter work, namely working in a rice field or in the plantation, digging canal, but in a lighter form of labor. And due to the limited workforce in the cooperatives, the rotation was needed. Thank you. My next question is to your presence at the dam. You mentioned that you were there at the worksite, I mean. You mentioned you were there frequently, sometimes a couple of days in a row. Now, in an average month, how many days did you go to the work site? Can you give me an idea? Pourriez-vous nous donner une idée? I didn't go that often to the first January dam work site. I only went there once every 2 or 3 months, as my main duty was involved with the supervision of the workers at the district, and I usually would remain at the dam site for only overnight or two and return to my district. Okay. My next question is to the selection process. Question. J'aimerais vous you said workers were selected. Processus de sélection. Vous workers nous avez for dit the dam were selected. Now, I want to know, could those who were selected say, no, I don't want to work there? Si quelqu'un qui avait été ainsi sélectionné disait que non, qu'il ne voulait pas travailler là-bas.
No one actually refused the selection process. Personne ne refusait. Once the district organized the workforce, une fois que le district avait organisé les forces de travail, district did not refuse. Personne ne even refusait. If it was for the rotation force. Même chose and of course for those workers who worked at the dam site and were replaced when they returned to the district, they were happier than working there sûr, at the dam site. Au district étaient plus contents que lorsqu'ils travaillaient sur given le that they were obviously not very happy to work at the dam site, effectivement, apparemment, why did nobody refuse to work there très heureux d'aller travailler sur ce chantier, when they were alors selected? Pourquoi n'avaient-ils pas le droit de refuser de le faire une fois qu'ils avaient été sélectionnés? The thing is that that was the organization by the district, so c'était they le district qui did a not refuse. If we selected five or six of them to si go to replace the old force at the dam site, none of them refused. As we all tried hard to adhere tout to work disciplines and regulations, de and we dans le respect worked de la discipline both et des at règles, the first January dam work site or at the district. Que ce soit au niveau du chantier ou au niveau du district. Were people question ever told that they would be punished if they refused to work a-t-on dit aux gens or to accept the selection? Qu'ils étaient punis s'ils refusaient de travailler ou s'ils refusaient leur affectation? Dan. Answer. We were not told and we were not warned réponse about this fact, and we were personne only told that cela, we had to respect the disciplines, and there were working times specifically for workers, the time that we had to start work, have meal, and resume work in the afternoon. That's what we were instructed. Pour reprendre le travail l'après-midi, il fallait respecter les instructions. Once workers were selected and working une at the work site, were they free to say, I don't want to work any longer, dire I'd rather go home now and not come back? Rentrer chez eux et ne plus revenir sur le chantier par la suite? No one dares to refuse. Personne n'osait refuser. Anka or Sangkat assigned the work and everyone has to comply with that assignment. No one dares to say, I wanted to go back home and did not want to go to work. No one dares to say like this. Personne n'osait dire ce genre de choses. And why did nobody dare question say this? Pourquoi donc personne n'osait dire ce genre de choses? Yeah. Answer. Réponse. Because we were told, instructed that we had to work hard parce so that we could dur solve people's problems. And we had we were told that we had gens to work hard dont to nous build de travailler the dur country. Pour no one le pays threatened us. Personne workers ne nous a menacé. Voluntarily les ouvriers wanted to go to work. Volontaires pour aller travailler. Now you have described question the situation at the dam. Vous avez décrit and la I think if I sum up your description, résumer, one could say these were very difficult working conditions. Les conditions de travail étaient très difficiles. We have heard even more extreme descriptions. Nous avons entendu des descriptions plus extrêmes encore. Now my question is, given these very difficult circumstances, au vu de ces circonstances particulièrement difficiles, do you remember any incident where a worker actually tried to simply run away? D'incidents au cours desquels, par exemple, un ouvrier aurait décidé de s'enfuir. Answer. Réponse.
No one fled from their work sites. Personne perhaps s'est enfui de son site could de not travail. Have the full graph of the information, but from what I knew, no Je one pas fled tout, from their work place. D'après ce que j'ai su, personne était, ne s'est enfui. And why did nobody flee? Question, savez-vous pourquoi personne ne s'est enfui? Answer, I do not know. Réponse, I do je not ne know pas. The matter in detail. In reality, no one evaded work. They were je ne connais pas les détails, mais je sais que personne ne s'est évadé. They were exhausted and tired. Les gens restaient travailler même s'ils étaient fatigués ou épuisés. Now you told us at question. One point you basically supervised the workforce donné, at the dam, that's what I wrote down. Sur le chantier. So I'm asking you, were there any orders or directives j'aimerais from your superiors si vos supérieurs vous avez donné des instructions on what to do if people directives didn't want to be recruited pour le cas or où selected, certaines personnes or choisies n'auraient pas voulu if people ran away. Ou si was there any de directive, any order? Y avait-il des directives, des instructions en la matière? Yeah. Answer. Réponse. As for the time that I was in charge of forces, au moment où work j'étais forces responsable at the first January dam site, as I stated repeatedly, I was not there constantly and regularly. I was in the district to be in charge of people. I rarely went to the work site. Je me rendais rarement sur le site. I was a female member and I had small children. J'étais une femme. At that time, j'avais des enfants for this en reason, bas âge. I did not went there quite frequently or I was not there constantly with workers. Je n'étais pas en permanence but aux côtés I des ouvriers. Knew and heard the instruction that I had to organize cooperative in such a way, etc. As I told the court earlier, I was in charge in the district for a period of only 1 year. Au niveau du district pendant un an seulement. My last question, question. Is to these instructions you told us earlier dont vous nous avez déjà parlé. That you went to Phnom Penh vous nous avez dit que vous vous occasionally de temps en temps à Phnom Penh, among other things to get these instructions. Entre autres, ces now were these regular trips? I mean once a month? Si vous vous y or régulièrement, par exemple, une were fois par these mois? Random trips, ou meaning si when you were summoned, you came. C'était occasionnel. Si vous vous rendiez à or was it a fixed date every, I don't know, first Monday per month, we go to Phnom Penh and get our instructions? Était-ce chaque jour de tel mois que vous deviez vous rendre à Phnom Penh ou pas? Yeah. Answer. I would like to inform réponse. The chamber that when Angka invited me, asked me to come to Phnom Penh to join the study session, I would come. As j'y I stated, I came with comme je l'ai dit, many of my colleagues, my cadres, in the many trucks, and we came nous to receive the assignments nous to be implemented pour, and enforced in our respective districts. Pour que l'on nous confie différentes missions que nous mettions en œuvre dans nos districts. I didn't hear translation of quite a long bit. I heard the witness talking and didn't get the translation. Question.
J'ai entendu le témoin parler, okay. Mais plus longtemps apparemment que ce que j'ai entendu dans mes écouteurs. My question to you then is, in the year in which you were in charge, how often did you go to Phnom Penh on such trips? Pourriez-vous nous dire combien de fois vous êtes rendu à Phnom Penh? Got information and instructions on work. Pour entendre des instructions par rapport au travail que vous aviez effectué. Answer. Sometimes I would be in Phnom Penh for 2 or 3 days. Parfois, and je me rendais à Phnom Penh pendant 2 ou 3 jours. Return to my place. Avant de rentrer chez moi. At times I was there for 1 or 2 nights to Parfois, receive assignments. Parfois, j'y passais une ou deux nuits pour que l'on And how many trips did you make? In this question. I think you said Et year. Combien de fois vous êtes-vous ainsi déplacé au cours de cette année? Answer. Réponse. From my recollection, I do not recall how many times per year I went to Phnom Penh, but I recall that Malheureusement, je ne me souviens I went pas to de combien Phnom, fois Penh je suis rendu à Phnom Penh to receive assignment and tasks from the upper echelon. C'est à Phnom Penh que je devais aller pour Let me try again. Are we talking 2 or 3 Question. Times, or are we talking Mais 10 or 20 times? Là de 2 ou 3 déplacements. I don't expect an exact number. Je ne vous but pas I would de like to have exact. An idea avoir of une the frequency. Idée de la fréquence à laquelle vous vous rendiez à Phnom Penh. Answer. I do not remember it. I do not remember. I came to Phnom Penh once a month, or how many times per year I came to Phnom Penh. I remembered it in the past, but I forget it all. Je m'en souvenais avant, mais j'ai tout oublié. Perhaps I went to Phnom Penh. Once in every Je me rendais peut-être 2 or 3 months or once une fois tous les deux to receive ou 3 mois the assignments and tasks. Pour y apprendre ce que je devais faire. I once again would like to tell the court that I do not je recall it. Je dois redire à la chambre que je ne m'en souviens pas. Thank you. That concludes my questions. Merci, j'en ai terminé. President, you may proceed, le Judge président, Lavergne. Le juge Lavergne a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Madame le témoin, j'ai tout de suite une question à vous Madame poser. Witness, I have a question Qu'est-ce to qu'on put vous to disait you à Phnom Penh right away? What were you exactement? Told in Phnom Penh? What were you exactly told in Phnom Penh? Rencontriez-vous? And whom would vous you avez meet? Dit que vous avez rencontré Nun Chea. You had met Nun Chea, for example. Est-ce que vous le confirmez? Can you confirm that? Answer. Yes, I met him. Oui, je l'ai rencontré. He arranged workforces in the Il s'occupait for the de district. L'organisation de la main-d'œuvre pour les districts. He arranged tasks and he instructed how to dig the canals, par exemple, how pour to la work in canaux, the fields. And he also discussed how the cooperatives were to be arranged. Et il parlait également de l'organisation These are the au sein instructions des coopératives. I received from him. Voilà les instructions qu'il m'a données. Est-ce qu'il parlait Did he speak de la lutte des classes about, the class Est-ce qu'il parlait Did he des ennemis speak about the enemies? Est-ce qu'il parlait Did he speak des agents de la CIA, CIA et du KGB, in KGB agents? Answer. No such discussion no. about class struggle or
Et ne discutez pas de la, spy des agents. Classes, ni des agents, des espions de la CIA. I did not receive any instruction in relation to this matter. Je n'ai reçu aucune instruction en la matière. Alors, en quoi consistaient ces instructions pour l'organisation de la manœuvre? Vous avez dit que vous y alliez une fois tous les deux ou trois mois. Phnom Penh once every two or three months. Est-ce que à chaque fois vous rencontriez Nguyen Chea ou est-ce que vous rencontriez d'autres dirigeants? I did not meet any other leaders. Je n'ai pas rencontré d'autres dirigeants. And I also did not meet Nguyen Chea many times. Je n'ai pas non plus rencontré Nguyen Chea très souvent. He was in charge of education and propaganda. De l'éducation et de la propagande. He instructed about the cooperatives and des instructions pour les he also mentioned that the farming should be conducted in numbers of times per year, and he also discussed about the care on the people as well. Il parlait également des soins à fournir aux gens. Est-ce que Nguyen Chea se renseignait sur la situation sur place? Est-ce qu'il cherchait à savoir s'il y avait suffisamment de nourriture, s'il y avait des plaintes concernant les rendements qui n'étaient pas ceux que le parti pouvait espérer? Production that was below what the party might have expected. Answer. He asked about it, but most of the time he would ask how the cooperatives were organized and what was the livelihood of the people and what about the health situation of people. That's the question he asked. La situation sanitaire. Voilà le genre de question qu'il posait. Madame, vous-même, quand Madame vous étiez witness, au comité du district, est-ce que vous aviez reçu des plaintes des responsables des coopératives disant que stating that les récoltes n'étaient pas suffisantes, the harvest was not plentiful enough, and qu'il y avait des problèmes d'alimentation. That there were problems est-ce que in vous terms avez of reçu food? Des plaintes de Did cet ordre-là? Did you receive any complaints of that kind? In Chomkalo district, allow me to tell the court. The yield was good, so était assez the living bon. Condition Les conditions was de vie better and good. Étaient donc meilleures. Elles étaient bonnes. And there was question why the people did not have three time meals per day since there was a good harvest and yield. Étant donné qu'il y avait de bonnes récoltes et un bon rendement. Madame, je vais vous lire votre déposition devant le bureau des juges d'instruction. C'est le document E3-5294, ERN en français 00-36-78-05-06, en anglais 00-36-01-13-14 et ERN en Khmer, sous toute réserve, 00-34-88-31. Avez-vous reçu des demandes ou des plaintes de vos subordonnés? Réponse. Answer. J'en ai reçu. Yes, I did. Le chef de la coopérative et le chef d'équipe ont contesté le fait que la riziculture donnait un rendement élevé alors que les habitants
ne mangeaient pas à leur faim. J'ai aussi transmis cette plainte au comité du district. Celui-ci l'a transmise au supérieur, qui n'a jamais répondu à cette plainte. Le paddy était également exporté à l'étranger. Abroad, free translation. Est-ce que vous confirmez, madame, ce que je viens de lire? That what I just said. The statement is correct. Cette déclaration est exacte. J'ai fait une demande à l'échelon supérieur. People in Sankat mentioned that there was high yield and good yield, and why people did not have enough food to eat. Ils ont demandé pourquoi les gens n'avaient pas suffisamment à manger. Why there was food. Some food shortages. Pourquoi il y avait une pénurie alimentaire? There were requests from Sankats, and the requests were also forwarded to districts and sectors. After the requests were made to those sectors, Sankats and district, there was no replies. Il n'y a pas eu de réponse. Madame le témoin, Madame Witness, quand le chef de la coopérative se plaint d'une pénurie alimentaire, food, à votre avis, in your opinion, il dit la vérité, was he saying the truth, ou il ment? Or was he lying? Answer. Cooperative chiefs never told lies. They spoke the truth and made requests to the upper echelon for resolution. Lack of food did not exist in all Sankats or districts. Some Sankats and districts had a problem with food. In Jamkala district, the food was enough, and I did not know about other places. Il y avait suffisamment de nourriture, mais je ne sais pas ce qu'il en était des autres endroits. Pourquoi, madame, l'échelon supérieur ne répondait jamais à ces rapports que vous lui transmettiez? I have no idea. There was no response. Je n'en ai aucune idée. So how could I say about this? I have no idea at all. Je n'en sais rien du tout. Pourquoi le paddy était-il exporté si les gens sur place n'arrivaient pas à manger à leur faim? The people did not have enough food to eat. And I do not really understand either. Je ne comprends pas vraiment non plus. I was not a senior cadre, so I to speak in short, I did not care to question this. Je n'osais pas. The report was sent and forwarded to. Chose en question. Sectors and les rapports étaient upwards, envoyés, but there were no responses. Haut, mais il n'y avait pas de réponse. I do not understand about this matter. Selon vous, madame, according qui décidait des quotas de production à envoyer à l'exportation? Est-ce que c'était le district? Abroad? Est-ce que c'était le secteur? Was it the sector? Ou est-ce que c'était encore un échelon supérieur? Was it a higher echelon even? I was not the one who held the list. Ce n'était pas moi qui tenais la liste. Sankats would tell me that
some food, rice, would be kept for cooperatives. And for the surplus, they would be used and sent for soldiers, not for abroad, what I was told at that time. C'est ce que l'on m'a dit à l'époque. Selon vous, madame, est-ce que la situation alimentaire sur le site de construction du barrage du 1er janvier était meilleure que dans les coopératives? Better than in the cooperatives? Answer. The regime or the government provided perhaps a better food at the work site. Fournissait peut-être une meilleure nourriture sur les chantiers. I am not mentioning other district. I am mentioning the situation in my district. Je ne peux parler que de la situation dans mon propre district. The district committee visited cooperatives. Le comité du district se rendait dans les coopératives. And we were told by the Sanka chiefs that les chefs de Sanka. There was no problem with food, que la nourriture and ne posait, I do not really understand about the fact that there was lack of food. Donc je ne comprenais pas pourquoi on parlait de pénurie alimentaire. Madame, moi je ne comprends Madame, pas non plus. I don't understand either. Vous me dites que You're les chefs de coopératives ne mentent pas quand ils disent qu'il y a des pénuries alimentaires, et là vous me dites le contraire, que vous ne comprenez pas. That you don't understand. Alors, vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas s'ils disent la vérité ou s'ils mentent? You don't understand if they're telling the truth or if they're lying. I would like to state that why I do not really understand. I don't understand because I knew that the right yield was good and there was surplus. Et qu'il y avait and des excédents. Sanka chief told les me that food was sufficient for villagers and everyone. But the workers at the dam work site said the food was not enough. Qu'ils ne mangeaient From pas my assez. Understanding, when I visited cooperatives, lorsque je me suis rendu dans les coopératives, rice or grains were there in j'ai vu qu'il y avait du riz et des céréales. Donc, selon vous, madame, les chefs de coopératives mentent. Si vous dites que vous êtes allé sur place et que vous avez vu qu'il y avait du riz sur place, quand vous recevez des rapports où vous dites qu'il y a pénurie alimentaire, il y a forcément quelqu'un qui ment. There's obviously someone there who's lying. Answer. Perhaps so. Peut-être que oui. And in some cooperative, there were many people, so il y avait beaucoup food de gens was dans not les coopératives, enough. Donc peut-être qu'il n'y avait and pas suffisamment de in nourriture. In some cooperative, there were not many mais dans d'autres coopératives, people, so il y avait food moins was de gens. Surplus. Alors, and as for the report, so whether la nourriture en excédent. Chiefs of cooperative were lying, I do not know. Pour ce qui est des chefs de coopératives qui auraient menti dans leur rapport, je ne sais pas. I visited only a few cooperatives. That is what I saw and I told the court already. Et j'ai déjà dit à la chambre ce que j'y avais vu. Selon vous, qui fournissait le riz nécessaire à l'alimentation des ouvriers sur le site du barrage du 1er janvier? Est-ce que c'était les coopératives? Est-ce que c'était un échelon supérieur? Est-ce que c'était le district, le secteur ou l'échelon national qui envoyait du riz? I only had a certain knowledge on this issue. I didn't know about the arrangement at the various levels. However, the zone qui avait cours aux divers niveaux was responsible for mais the organization of the force, de la force for managing the living condition. Pour la gestion des conditions and de vie. The sector also had certain responsibilities, although I do not know the details mais j'ignore tous des détails. About that.
However, I myself did not supervise or manage the people at the first gender dam work site. It was under the supervision, mostly of at the zone level in terms of food supply and the health condition of the workers there, as well as the sick people. J'ai une dernière question, madame. De ce que vous avez vu de vos propres yeux sur le site du 1er janvier, est-ce que les gens mangeaient à leur faim ou non? As I said, there were tens of thousands of workers, and I only could say for the smaller portion of those workers from my point of view, as I did not go everywhere to observe the living condition, and for the group of workers whom I observed, they had sufficient food to eat. There was an abundance of dry fish which was sent from Tonle Sap to those workers. So there was no lack of food for the people whom I observed. And when I was there, they ate boiled rice and I joined them. Though I could not go everywhere to observe the living conditions of all the workers at the dam site. Voilà, je crois compte une l'heure, on va s'arrêter là. I believe we'll have to stop here because we don't have any time left. President, thank you. Today's hearing comes to an adjournment now. We adjourn for today and resume tomorrow, that is Friday, the 5th of June 2015, starting from 9 o'clock in the morning. Tomorrow, the Chamber continues to hear the testimony of this witness, Su Suen. This information is for the parties and the public. And Madame Su Suen, the Chamber is grateful of your presence and testimony as a witness. However, it is not yet concluded, and you are therefore invited to return tomorrow. And Madame Chai Maridan, the TPO staff, the Chamber is grateful of your support during the testimony of this witness, so that she is able to focus on her testimony. And again, you are invited to continue your role here in this court. And court officer, in collaboration with Wisu, please make a necessary transportation for Madame Su Suen to return to her place of stay and have her return to attend the proceedings in this courtroom tomorrow at 9 o'clock. Security personnel, you are instructed to take the two accused back to the ECCC detention facility and have them return to attend the proceedings tomorrow before 9 o'clock in the morning. The court is now adjourned.